Direction la baie de Somme. Ce petit coin de Picardie, situé à moins de 3 heures de Paris, est considéré comme l'une des plus belles baies de la planète. Ce voyage nous fera découvrir quelques merveilles du littoral picard, parmi lesquelles le cœur médiéval de Saint-Valéry, les splendides jardins de l'abbaye de Valloire, ou encore l'une des plus anciennes stations balnéaires françaises, Mers-les-Bains. La baie de Somme, c'est aussi un décor sauvage qui abrite une faune d'une richesse exceptionnelle. Autant de trésors que vous allez découvrir en compagnie de ceux qui vivent, qui aiment et qui animent la baie. Port de pêche et de plaisance, abrité au cœur de l'estuaire de la Somme, Saint-Valéry, Saint-Val comme l'appellent ses habitants, est le village le plus pittoresque de la baie. C'est ici que débute notre aventure en compagnie d'Isabelle, une guide passionnée par sa région. Sur la gauche, donc la pointe, avec le parc du Marcanterre. La visite commence par la partie la plus ancienne de la ville, le quartier médiéval. Pour l'accompagner, Isabelle rejoint son ami Hervé Bernard, guide à l'Office du tourisme. Alors, je connais bien Saint-Valéry, mais dis-moi, pourquoi cette rencontre ici ? Ah, parce qu'on se situe juste au pied des Tours Guillaume, et c'est le symbole de Saint-Valéry, ces deux tours. Elles datent du XIe siècle, et il faut très bien imaginer cette porte avec un grand pont-levis qui se rabaissait, qui se relevait, avec un corps de garde au-dessus qui malheureusement a disparu, et puis un grand fossé par devant qui défendait l'accès de la cité médiévale, parce qu'on se situe à l'entrée de la vieille ville. Pourquoi on les appelle les Tours Guillaume ? On les appelle les Tours Guillaume, ça c'est en souvenir du passage du duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, qui était parti en 1066. En fait, il revendiquait la couronne anglaise après la mort d'Édouard le Confesseur. Il réunit une armée en Normandie, il fait construire 400 drakkars, et c'est une immense armada qui part des plages normandes. Mais à l'époque, bon, ils n'avaient pas forcément Météo France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une tempête les a surpris. Les vents nord-nord-ouest les a fait rejeter en fait, dans l'estuaire de la Somme. Et toute la flotte a été bloquée pendant près de 3 semaines. Le quartier médiéval de Saint-Valéry porte également la trace du passage de Jeanne d'Arc avant que celle-ci ne soit livrée aux Anglais, puis conduite à Rouen. Direction maintenant l'église Saint-Martin, splendide édifice religieux dont le mur en mosaïque de pierre, caractéristique de ce littoral, est impeccablement conservé. Alors tu vois Isabelle, on peut s'approcher ici et voir un exemple de mur en damier quasi parfait par les compagnons maçons. D'accord. Qui savaient tailler les silex. Donc ça c'est tout à fait typique de la région. Hein. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve à 10-12 km autour de la baie de Somme. Le silex est coupé en deux, il est repris sur 4 côtés, et ensuite ils sont disposés les uns sur les autres, mais sans joints apparents. Et à l'époque, il n'y avait pas de ciment, évidemment, oui. Pas de mortier. C'était du sable, de l'argile et de la chaux. En fait, c'est la compression, la masse du mur qui n'a pas bougé en fait, depuis 500 ans. Oui, c'est impressionnant. Ouais, c'est un très, très beau travail. Au Moyen-Âge, Saint-Val abritait l'un des ports de pêche et de commerce les plus prospères du royaume de France. Aujourd'hui, la pêche a pratiquement disparu. Mais la partie basse témoigne encore de cette activité. C'est vraiment un quartier typique de la basse ville de Saint-Valéry. C'est le quartier du Courguin. Et on l'appelle le quartier du Courguin parce que justement, les gens gagnaient pas beaucoup d'argent. Court petit, gain salaire. Les gens des petits revenus. Et c'est pour ça que la plupart des maisons qui nous entourent sont très basses, serrées les unes par rapport aux autres, avec un seul étage. Et en fait, l'étage, c'était simplement le grenier. Et c'était des familles nombreuses qui occupaient ces petites maisons, notamment des familles peut-être de 6, 8 ou 10 personnes. Effectivement, dans un espace si restreint, on oui, avait... Oui, notamment. Alors, il y avait les enfants, mais il y avait aussi les grands-parents. Et puis, la plupart des maisons sont très colorées, des couleurs vives. Ça, c'est le témoignage de la marine. Chaque année, les marins repeignaient ce qu'on appelait la moustache du bateau, c'est-à-dire la ligne de flottaison, et le surplus de peinture était remis systématiquement sur les portes, les volets. Ce qui fait en fait que la maison du pêcheur était à l'image du bateau. Du bateau. Ouais. Et c'est comme ça que les familles se reconnaissaient d'ailleurs. Pour clore leur escapade valéricaine,
Isabelle et Hervé se rendent devant le calvaire des Marins, site incontournable de l'histoire locale. C'était sur ce lieu, sur ce belvédère, que les femmes de marins venaient observer si leur mari rentrait bien de la pêche. Elles reconnaissaient l'emboustage du bateau au loin. Et malheureusement, parfois, forcément, il y avait des naufrages en baie de Somme, ça servait aussi comme lieu de recueillement. Et c'est pour ça qu'on a un petit oratoire, cette petite chapelle qui est présente en l'honneur des marins qui sont disparus en mer. Véritable joyau de la nature, la baie de Somme est pourtant aujourd'hui menacée. Victime d'un phénomène d'ensablement inéluctable. Un phénomène géologique à l'origine de la formation d'immenses parcelles de terre mêlées de sable, appelées des molières. Seules les grandes marées réussissent encore à les recouvrir. Suffolk, Hampshire ou Boulonnais, les moutons de la baie de Somme sont les grands gagnants de l'apparition de ces prairies. Ils s'y repaissent toute l'année, offrant à leurs amateurs une chair tendre et rouge. Isabelle a maintenant rendez-vous avec Régis Dupéy, l'un des éleveurs de la baie. Coucou Régis. Tiens, tu m'as trouvé? Mais oui, avec difficulté, hein. C'est pas facile. Hein. Ah, c'est vrai qu'on est assez loin là. On est en plein cœur de la baie. Et donc ton troupeau se situe toujours ici ou pas, Régis? Non, on se déplace au gré des marées. Ah oui. Hein, c'est-à-dire que quand les coefficients de marée baissent et que la mer descend, on avance. On se retrouve donc plutôt en face de Saint-Valery, là-bas. D'accord. Et quand, suivant... Avec les grandes marées. Oui, eh ben on évacue. Et ensuite, vraiment, quand la mer vraiment monte fortement, où il y a de gros risques de noyade, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri, ben on évacue et on repasse derrière les digues pour se mettre en sécurité. Pourquoi les appelle-t-on agneaux et moutons de pré salé? Parce qu'ils pâturent régulièrement une herbe spécifique, hein, qu'on appelle la puccinelle. Qui est donc salée, alors. Oui, qui est iodée, fortement iodée. Il y a l'impact aussi, l'atmosphère marin. On fait pas mal de marche à pied, donc ça impacte sur la musculature et sur la qualité. C'est vrai qu'on a une viande vraiment très rouge, fortement marquée, fibrée, musculairement, on va dire que c'est vraiment... Par rapport à un agneau classique. Oui. Dans la baie, on compte une dizaine d'éleveurs comme Régis. Aboutissement de plusieurs décennies de travail, leurs moutons sont classés en appellation d'origine protégée depuis 2013, comme leurs cousins du Mont-Saint-Michel. On dirait que tout le monde est en train de se regrouper, là, Régis. Ah, ben oui, c'est-à-dire qu'on est en fin de journée, là, il est 5 heures, on va rentrer au parc. Hein. Elles ont suffisamment mangé pour aujourd'hui, elles sont, comme on dit, rondes, c'est-à-dire elles sont vraiment pleines d'herbes, donc là, ben, on va les emmener dormir. Tu prends par là, ta droite, là. Pas de souci. Moi, je vais prendre à gauche. D'accord. On regroupe tout, hein. Allez. C'est bien, mon chien, tu travailles bien. Allez, bagnole. Laisse pas sauver. Et pour poursuivre notre escapade en beauté, Isabelle nous propose une randonnée, et pas des moindres, puisqu'elle consiste à traverser la baie de Somme, l'un des plus grands estuaires de France. C'est la balade qu'il ne faut surtout pas manquer. Mais attention, ne vous y aventurez pas sans un guide expérimenté comme Emmanuel Dubert. Salut Isa. Salut Manu, ça va? Très bien, en forme? Bien, prête pour... c'est toi qui m'emmène traverser la baie, exact, alors. Exact, ouais. Donc on va partir là tranquillement jusqu'aux écluses. D'accord. Au trottoir, et on descendra dans la baie après pour aller à Saint-Valery, 3 km. Ça va aller. En forme? Ah, c'est parti. C'est parti, je te suis. La traversée s'effectue bien sûr à marée basse. Et elle réserve quelques surprises culinaires aux marcheurs. Donc là, les salicornes, hop là, tu la coupes délicatement, si tu veux goûter. D'accord, merci. Voir, c'est le meilleur, comme ça, directement dans la baie. Ah oui, ça change. Ah, ça change de ce qu'on trouve généralement, donc conservé dans du vinaigre, quoi. Exactement. Tu fais une drôle de tête, quand même. Non, c'est bon. Ça veut se manger cru, directement, tu les fais en salade. D'accord. Ça se fait cuire également, comme des récouverts, le plus simple, c'est à la vapeur. C'est super riche en vitamine C, donc là, en fait, c'est un produit qui est super sain. Donc là, on est dans un champ d'asters maritimes, hein. Les fameuses oreilles de cochon. C'est spectaculaire, hein. Hop là. Tu vois, c'est très très Merci. Bon ça. Part un peu sur le radis. Radis noir, voire oseille en fait à certains moments.
tu vas voir après, c'est comme pour le vin en fait, il y a un petit goût, un second goût quoi. Et ça part plutôt sur la noisette un peu poivrée. Alors attention en descendant. Saint-Valery devant nous. Ça y est, on est arrivé. Ben pas encore, il nous reste là moins d'un kilomètre maintenant à faire. On va avancer parce que la nuit tombe. Oui. Ce serait dommage de se perdre quand même. Exact. Allez, encore un petit peu d'eau. Afin d'être certain de profiter d'un coucher de soleil à couper le souffle, il est préférable de débuter la balade en milieu d'après-midi. La prochaine étape de ce voyage nous amène à une vingtaine de kilomètres plus au sud pour y découvrir un paysage de falaises crayeuses radicalement différent. Au milieu du 19e siècle, la nouvelle mode des bains de mer consacre la petite prairie de Mers. Elle devient ainsi l'une des premières stations balnéaires françaises. Pour cette nouvelle visite, Thomas va prendre le relais d'Isabelle. Ce conteur aime délivrer les histoires de la baie de Somme en plein air. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un homme qui ne se soucie absolument pas de ce qu'il y a dans la mer, de comment sa vie. Lui, il veut juste vivre et survivre. Notre Mersois va retrouver Françoise Douvrin, qui est incollable sur l'histoire de la ville et notamment sur celle de ses maisons colorées. Bonjour Françoise. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça va ? Ça va. Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses me raconter un peu d'où ça vient, etc. Comment ça s'est fait tout ça ? Eh bien, l'origine Mers, c'était un petit village de pêcheurs. Il faut imaginer qu'ici, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un cordon de galets, un fortin là-bas. Et le chemin de fer est arrivé au Tréport. Le Tréport a commencé à être bâti en secteur balnéaire avec des villas de plaisance. Et puis, d'abord de l'autre côté là-bas. D'abord de l'autre côté. Il n'y a plus assez de place. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à bâtir ici. D'où vient cette mode finalement des bains de mer ? Bien, c'est l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, qui a lancé la mode à Biarritz. Et puis, bien sûr, ça s'est étendu à toutes les stations. Toutes les côtes. Voilà. Donc, Mers n'a pas échappé à cela, Mers-les-Bains. Mm-hmm. Donc, le bain à l'époque avait des vertus thérapeutiques. On prenait des bains de mer froids, on prenait des bains à la corde. On avait une corde qui était tendue, un maître des bains qui surveillait. D'accord. Et c'était vraiment dans ce but-là. On prenait aussi des bains chauds. On venait donc à la mer pour se divertir. Et on venait à la mer aussi pour se soigner. La bonne société qui vient pour se soigner, etc. Voilà. D'inspiration Second Empire, la ville de Mers développe son propre style avec l'apparition de céramiques décoratives sur les façades, puis la construction d'oriel et de loggia d'influence anglaise. Le résultat inimitable est aujourd'hui protégé. Il y a une autre question que je me pose, c'est par exemple, là, sur la villa qui est en face de nous, c'est marqué RIP. C'est son nom, d'où ça vient les noms qu'on donne comme ça aux villas ? Il y avait beaucoup de noms d'opéra. RIP, c'est le titre d'un opéra comique de Robert Plankett. Il y a eu beaucoup de noms de morceaux de musique, d'opéra, et puis aussi beaucoup de prénoms. Ce que j'aimerais bien maintenant, ce serait monter jusqu'en haut de la falaise là-bas. Ben, allons-y alors. Thomas veut faire partager à Françoise sa passion pour l'histoire de cette falaise. On marche là sur des roches qui ont 65 millions d'années, ouais. Avec le calcaire, en fait, qui s'est formé dans une mer chaude, peu profonde et peu agitée, mm-hmm. dans laquelle il y avait des organismes microscopiques qui avaient autour d'eux une coquille justement en calcaire. Quand ils mouraient, le calcaire se déposait au fond des mers, et tous ces organismes accumulés, ça fait la couche de craie qu'on peut voir aujourd'hui sur les falaises. Et de temps en temps, on voit des lignes noires. Ça, c'est du silex. Mmh. Parce que de temps en temps, il y avait d'autres micro-organismes qui vivaient avec une coquille siliceuse et qui se collaient ensemble, ça a fait des silex. Et du coup, on a ces rayures blanches et noires sur la falaise. Et pour terminer cette visite, Françoise raconte à Thomas l'histoire de Notre-Dame de la Falaise, une statue bien connue de tous les Mersois, visible à des kilomètres à la ronde. C'est une statue qui a été érigée à la fin du 19e siècle, 1878. Ouais. Et la guerre 39-45, c'était un magnifique repère pour l'aviation, par exemple. Exactement. Donc les Allemands l'ont descendue en 1942 et les Mersois l'ont sauvée. Et elle a été replacée ici en 1955. C'est à quelques kilomètres de là, à la pointe du Hourdel, que Thomas nous emmène maintenant. Un lieu étonnant où vit la plus grande colonie de phoques d'Europe. Et la meilleure façon de les apercevoir, c'est de s'en approcher grâce aux pirogues polynésiennes de Mathieu Cornu. Salut Mathieu. Bonjour Thomas. Alors on est prêt à partir.
J'imagine qu'on va pas être tout seul à pagayer là sur la pirogue là. Non non, bah, justement cette pirogue là, je suis en train de la préparer parce qu'on va être 5 personnes avec toi. D'accord. C'est le fleuve qui va nous emmener, c'est la marée qui va nous ramener. Donc il y a rien à faire. Allez, c'est parti les amis. Yeah. Si l'expérience vous tente, sachez qu'il vous faudra d'abord pagayer un peu plus de 6 km. Mais quel spectacle ! Grèbes, cormorans, oiseaux migrateurs, l'évasion est totale. Et soudain, surgissant de l'eau à seulement quelques mètres des pirogues, les fameux phoques. Chers amis, vous avez mérité ça, ce spectacle. Parce que vous respectez les mouvements de la nature, et quand on respecte la nature, elle se donne tout de suite. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il y a des phoques ici ? Imagine, là, ils sont sur leur reposoir. Tranquille, en train de se reposer. Et il y a la mer qui va arriver, qui va recouvrir toute la baie, qui va recouvrir 4000 hectares. Il y a les poissons qui vont arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à faire, les phoques ? Ils n'ont plus qu'à aller chasser. Ils ont besoin de manger du poisson et de se reposer sur les bancs de sable. La baie de Somme, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, on va essayer de dépasser la bouée rouge et verte, se poser là-haut, et là, vous aurez un banc de phoques rien que pour vous. La colonie peut compter jusqu'à 400 individus. Alors si vous tentez l'aventure, vous êtes certain de les apercevoir, comme Thomas. En tout cas, ce qui est génial, c'est que moi, j'avais jamais vu les phoques d'aussi près. Là, quand tu vois leur tête qui arrive, là, tout près de toi, tout près du bord, et que tu vois leurs grands yeux, les sourcils, ça c'est vraiment génial. La prochaine étape de notre voyage en baie de Somme nous conduit à une trentaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Vous allez plonger dans un univers où le temps semble s'être figé. Fondée au XIIe siècle, l'abbaye de Valloire est l'un des rares exemples français de style rococo. Lors de votre venue, ne manquez pas de traverser son magnifique cloître et de visiter le cœur spirituel de l'abbaye, Notre-Dame de Saint-Martin. Depuis une vingtaine d'années, l'ensemble est entouré par des jardins extraordinaires, rassemblant plus de 5000 espèces végétales. Ce sont eux qui font la réputation du site aujourd'hui. Pour les découvrir, nous nous remettons entre les mains expertes de Martine, une picarde d'adoption tombée amoureuse de la région. Elle rejoint Hubert Buquet, le chef jardinier des lieux. Bonjour Hubert. Bonjour Martine. Je viens découvrir les jardins de Valloire. Montrez-moi, allons-y. Alors Martine, ici on est dans le jardin à la française avec les trois couleurs fétiches des moines. Le jardin bleu qui était un détour de l'Oti, qui était la rivière qui traversait ici, qui représentait l'eau. Après, il y avait la grande pelouse, le jardin blanc pour la pureté des moines, la couleur de leur aube qui était blanche. Hein, donc avec ça, des fleurs blanches. Voilà, avec des fleurs blanches. Et juste au-dessus, vous avez le jardin jaune qui pour eux était la lumière, le soleil. Voilà. Et maintenant, bon, ben, je vais t'inviter à aller voir la roseraie qui se trouve là-bas au bout et qui est quand même le symbole de notre jardin et le joyeux de notre jardin. On a au moins 70-72 variétés de rosiers différentes ici. Donc la rose, donc, c'est ton bébé oui, aussi. Oui, c'est un bébé, et d'autant plus que bon, on a quand même créé plusieurs roses ici à Jardin de Valloire, dont on a créé la rose Jardin de Valloire. Oui, oui. Et la marraine est Catherine Deneuve. Plus inattendu, cette immense collection botanique est aussi un formidable garde-manger. Martine retrouve maintenant Ludovic Dupont, un chef cuisinier spécialisé dans la préparation de plats à base de plantes. Ludovic, qu'est-ce qu'on va manger ? Alors, on va manger des amuse-bouches branchées. Et j'ai besoin de ton coup de main pour préparer un petit tartare de fleurs et de plantes sauvages, donc qui se trouve pas très loin. Alors, qu'est-ce que tu vas nous cueillir, Ludovic ? Donc là, ben, je vais cueillir les jeunes pousses de cyrce du potager. Cyrce. Ça fait partie des bonnes mauvaises herbes. En fin de compte, moi j'aime bien cuisiner tout ce qui est envahissant, tout ce qui ennuie le monde. Donc, on va faire un petit tartare avec. D'accord. Donc ça se mange cru. Ça se mange cru, oui. Avec une petite marinade, tout de même à l'huile d'olive. Oui. Pour essayer de cuire un petit peu cette plante, mais naturellement. Tu vas goûter si tu veux. Avec plaisir. Ah, ça croustille, hein. Extraordinaire. Ludovic est un privilégié.
il a la chance exceptionnelle de pouvoir faire son marché dans les jardins de l'abbaye. Donc là, on va poursuivre le tartare végétal en l'égayant un peu plus. Très bien. Avec justement un petit plaisir que tu connais, que tu n'as certainement jamais goûté. Non, le bégonia, effectivement, je n'ai jamais goûté. On va prendre que la fleur, hein. C'est la seule partie comestible. Un petit goût de citron, peut-être. C'est presque un condiment. Oui, c'est notre citron de Picardie. Très bien. Je pense que c'est bon. On va préparer notre tartare de plantes. On va couper finement, en lamelles. Donc là, on va mettre ça au frais pendant à peu près un quart d'heure. À ce tartare, Ludovic associe ses amuse-gueules branchées. Du fromage cuit sur une feuille de tilleul, tout simplement. Et pour la cuisson ? C'est 170 degrés pendant 20 minutes. Et voilà le résultat. C'est l'une des spécialités surprenantes dont Ludovic a le secret. Il aime également proposer des desserts étonnants comme la gaufre florale, le chou au sureau et au coquelicot, ou encore la poire confite au vin de rose. Plus à l'ouest, au bord de la Manche, Martine nous invite maintenant à découvrir le parc ornithologique du Marcanterre. Un paradis des oiseaux situé sur les grands axes migratoires. Il abrite près de 360 espèces couvées du matin au soir et du soir au matin par Philippe Carouette. On va aller dans les postes d'observation qui vont nous permettre d'observer justement les oiseaux en migration sans les déranger, sans les perturber. C'est l'homme en cage là, c'est nous qui sommes en cage et eux qui sont libres. Contrairement aux apparences, le parc du Marcanterre n'a rien de naturel. Il doit son existence au rêve visionnaire du propriétaire des lieux qui décida de reconvertir ses terres agricoles en zone protégée, voici maintenant 40 ans. Les spatules qu'on voit au milieu du plan d'eau, pourquoi est-ce qu'elles sont statiques ? Alors, il y a deux raisons. Il y a déjà le mauvais temps, le vent. Un oiseau dort face au vent, se pose face au vent, dans le sens de son plumage. Comme ça, l'eau ne rentre pas dans le plumage. Et la deuxième raison, c'est que pour les spatules, c'est vraiment les activités de confort dans la journée, la toilette, le repos, et puis l'activité le soir, la nourriture, les déplacements. Philippe est intarissable sur les oiseaux, à qui il se consacre pleinement, tout comme les autres scientifiques du parc. On a beaucoup de missions avec l'équipe pédagogique du parc. Donc, une des missions principales est le suivi scientifique, et notamment par l'intermédiaire du bagage, puisqu'on va le voir, on va capturer des oiseaux au filet pour les suivre en migration, parfois jusqu'en Afrique. On a de la chance, Céline vient d'attraper un oiseau dans les filets. Ah, un rouge-gorge, ouais. Même les rouges-gorges, qui a priori, le rouge-gorge est quand même un oiseau assez commun. J'allais dire surtout les rouges-gorges. Surtout. Plus les oiseaux sont communs, souvent moins on a d'informations. Un petit rouge-gorge comme ça, il peut venir de Norvège, de Suède, de Finlande. Justement, le capturer, le mesurer, le peser, va nous apporter des informations sur sa vie présente et sur sa vie future. Donc vous allez le baguer. Voilà, tout à fait, c'est Céline qui va le baguer. Voilà. Il ne se débat même pas, ce petit oiseau. Après, il y a une manière de le tenir, vous voyez, oui. On le tient au niveau des cuisses. On va le tenir aussi au niveau de la tête, hein, en arrière du cou, là, ce qui permet de bien le maintenir. Voilà. Voilà. Oh, petit cri de contact, là. Hein. C'est des petits cris à la fois d'alerte et de contact entre les individus. Voilà. Philippe et Céline tirent de précieuses informations de la capture de chaque oiseau. Car toutes leurs observations sont ensuite analysées par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il a des petites taches orangées, le dessus du palais est clair. Donc c'est bien un jeune de cette année. Donc on mesure la longueur de l'aile pliée. Voilà, donc là on est sur 74 mm. Alors là, on va peser l'oiseau, donc j'ai l'emmailloté, comme les bébés. Donc on est à 14 grammes. Est-ce que tu veux le relâcher, Martine ? Oui, mais je vais pas lui faire mal. Hein. Alors on va t'expliquer comment le relâcher, hein, oui. En prenant les deux doigts comme ça. On referme les doigts derrière. Alors c'est le bout des doigts qui serre, c'est pas du tout cette partie-là. Voilà, donc pour le relâcher, ça sera juste d'écarter les doigts. Et l'oiseau va partir. Allez, bonne chance, bon voyage. Elle reste géniale, elle reste posée, ouais, c'est super, elle reste posée sur le doigt.
Hop, et voilà, c'est parti. Comme ce rouge-gorge, n'hésitez pas à vous envoler pour la baie de Somme afin d'en admirer les mille et un trésors qu'il faut absolument voir dans votre vie.